Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Voilà, ça va super bien. Parce qu'aujourd'hui on va faire un petit bunker. Enfin on va surtout rénover un bunker. Celui-là, voilà. Donc j'ai un peu lu déjà. Donc ils veulent faire en gros un laser game dans un bunker. Alors aidez-nous à débarrasser tout ça. Enfin pas certaines choses qui peuvent être utilisées pour équiper les arènes, les caisses, les barils militaires. Ce seront très utiles, c'est une grosse mission. Mais je pense que vous trouverez quelque chose qui vous aidera à terminer rapidement. Attention à ne pas vous brûler. Ah, alors, est-ce que c'est pas le truc de la dernière mise à jour qu'il y a eu? Oh, alors ça j'adore. Bien. D'accord. Utilisez l'outil lance-flamme. Oh là là, les gars, j'ai le lance-flamme. Alors, comment... Ah, d'accord, on recharge. Très bien. Et du coup, enlever les ordures avec le lance-lame. Wow ! Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh là 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 là, mais c'est énorme. ok. Oula non, ouais d'accord, on peut pas tout brûler non plus. Ok, d'accord, donc très bien. Ça, c'est ok. Mais à ton avis, ah ouais, et on peut brûler l'herbe. Oh la qualité. Ouais, vous voyez, là on est en rouge. Ouais, mais c'est trop bien, hein, je savais pas ça. Mais ça, j'ai trop de la balle. Bon, alors bon, on en est pas là. Mais... Ah... On va enlever l'état de gravat quand même, parce que... Oh ! Ok. Oh, comme il enlève vite ! Oh, ça m'a surpris. Je m'y attendais trop pas. Waouh ! Énorme ! Alors, bon, on continue. Voilà, donc là, on a enlevé l'état de gravat, donc les ordures à l'extérieur. Pourquoi j'en ai encore ? Je ne sais pas. Ok, donc là, on enlève toutes les traces. Tac, tac, tac. Oh, bah, ça enlève aussi à l'intérieur, tiens. Bon, décidément. Hop, voilà. Là, là, là. Tac, tac, tac. Ok, là, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup... 20 minutes later. Bon allez, on va rentrer à l'intérieur. Ouh là là, oui, d'accord. Ouh là, oui. Bon, on va enlever. Hop. Voilà, tous les déchets. Sacré bunker, hein. Tac, tac, tac. Bon, il y a quand même pas mal de choses, je dirais. Voilà. Bon, on va enlever toutes les salissures. Tac. Là, il doit y avoir une salissure quelque part dans le coin. Ok, ensuite là qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. En fait, il y a vraiment du gros dégât quoi. Le canapé, je pense qu'on va devoir le virer. Enlever les objets, oui, voilà. Tac tac tac. Ah, il y a des morceaux de verre. Putain, j'avais pas vu ça. Je crois que j'ai pas développé la fameuse compétence où on peut tout enlever en un... Enfin, pas tout enlever, mais enlever une grande partie en un coup. Ça, je vais... Attends, vous savez quoi? On va regarder les compétences. Amélioration... Ouais, on n'a pas tout. Nettoyer 25% plus agile. Et en fait, il faut combien? 49 éléments nettoyés. Bah, ça va. En fait, on va y arriver vite. Voilà. Tac, 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 tac. Là, je pense pas qu'il y en ait. On va virer ces trucs-là. Oh là, on n'a pas ça. Malheureux. Ok. Bon, bah, je crois que là, on n'a plus rien à enlever, ici. On va faire le ménage après. Ouh là là. Ouais, je crois qu'on va faire le ménage après parce que là, il y en a... Oh là 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 là, mais là, il y en a vraiment une grande quantité, en fait. Oh là. Oh là, il y en a beaucoup. Oh ah ouais, non, mais comme j'en enlève à une vitesse énorme, je m'y attendais pas du tout à ça. Ok, ok, là, on enlève. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a pareil. Ah, nouveau point de compétence. Main agile. Donc, qu'est-ce que ça... Bon, non, en fait, non, ça change pas grand-chose, en fait. Oh ! Les gars, oh là, point de... tata, marteau amélioré. Tiens, le marteau amélioré, ça peut toujours servir. Wouah ! Wouah ! Oh, j'ai fait exploser un baril. Alors, on va passer à tout au gros nettoyage, là, maintenant.
Je pense que ça, on le fera dès que... Je vous retrouve dès que j'aurai bien avancé tout ça, tout le nettoyage. Hein. Bon, les amis, voilà, j'ai enfin fini de tout nettoyer. Et du coup, hop, on va... Voilà. D'accord, bon. Et ben, il y a une porte, non ? Ah, mais il y a un extérieur ! Oh, purée, mais j'avais pas vu. Eh bah attendez, et hop, lance-flamme. On nettoie plus vite comme ça, hein. Oh, c'est trop stylé le lance-flamme. Ah oui, par contre, ça brûle même l'herbe. Ah, bah voilà, on en a plus. Bon, bah au moins, comme ça, c'est bien nettoyé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, hop. Alors, là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a un paquet de choses à faire. Là, qu'est-ce qu'on a à faire? Rien. Là, rien. Là, rien. Là, rien. 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 Et ici. Bon, bah, on va pouvoir fermer cette porte. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien à faire. Très bien. Bon, alors, du coup, on va commencer par cette pièce qui m'a l'air quand même relativement bien grande. Table à manger en bois. D'accord. Ah, il en faut deux comme ça. On va partir quand même sur du bois. Ah, bah tiens, on va partir sur du bois comme ça. Tiens, hop. Il en faut deux. Et bon, on va mettre une comme ça. Et l'autre, on va la mettre juste derrière. Voilà. Fauteuil, il en faut 10. Et bah comme ça. Voilà. Voilà. Hop. 10, 10, 10, 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Canapé moderne, il en faut 2. On va partir sur du gris, là, cette fois. Le canapé moderne, mais je pense que je vais mettre un canapé moderne là. Et je pense que je vais en mettre un là de ce côté. Voilà. Bureau en bois. Bureau en bois. D'accord. Allez, on va partir sur du gris, pareil. Il en faut deux. Donc je pense que je vais mettre des deux bureaux ici. Voilà. Téléviseur suspendu, il en faut deux. Mais je vais en poser un là. Oh, trop bien! Et on va en poser un autre ici. Voilà, ensuite, fusil d'assaut. Oh là là, les fusils d'assaut, il en faut 10! Oh, c'est trop stylé. On peut pas les poser sur la table. Et non. Ah, ça se pose qu'au mur, ça. Alors, laser game, il y a des fusils d'assaut, je suis pas très sûr, hein. Voilà, et les lampes de bunker, il en faut 4. Allez hop, on va en prendre 4. On va les poser... C'est quoi, on va en poser une ici. Une ici. Au-dessus de chaque porte. Et on va en mettre une... allez là. Voilà, comme ça au moins, on a un bel éclairage. Ah mais c'est fini là ? Oh ! Et bah nickel. Alors ici, il nous faut un WC... Un WC, bon, on va passer sur des trucs comme ça. Voilà, on va le mettre là. Oh, il est pas beau. Ah oui, d'accord. Oh, il s'utilise très facilement. Et un lavabo suspendu. On va partir sur le même type, type de couleur. Hein. Hop, voilà, voilà, ça. Au moins, on commence déjà à connaître l'installation de ces lavabos, hein, depuis le temps qu'on les installe. Oh, voilà. Ouh, malheureux, j'ai failli allumer l'eau. Tac, 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 tac. On oubliait de robinet. Et hop, voilà. Alors, ici c'est fait. Mais en fait, je me suis aperçu qu'on n'avait pas d'éclairage là-dedans, en fait. D'accord, bon. Bah, décidément. Et il nous reste... Bah, là, on n'a pas fait... Là, on n'a rien à faire. Ah, là. Table à manger en bois. Et bon, on va faire la deuxième. On va faire la même chose, mais un peu différemment, je pense. On va mettre les tables comme ça.
Ouais, bon, par contre, l'espace entre les deux, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Ensuite, on va mettre 8 chaises, comme de l'autre côté. Donc, il en faut 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Canapé. Alors là, déjà, il nous en faut un. Donc, on va partir un peu sur de la couleur... voilà, comme ça. Blanc, ça peut être bien. Et blanc comme ça. Donc ça, on va le mettre ici. Voilà. Ouais. Allez, canapé moderne. Il en faut un. Donc on va le mettre de l'autre côté. Tiens, si on le mettait là, si ça rentre. Ouais, ça rentre là. Téléviseur suspendu. Il en faut deux. Un ici et un autre là. Ok, ensuite, la cafetière, parce qu'on oublie pas la cafetière quand même, et nos fameux deux lampes, qu'on va mettre ici du coup, et là. Voilà, et eh ben on a fini la mission, et du coup là, ça s'allume comment, ça s'allume bien? Ouais, ça s'allume bien. Et ben écoutez les amis, on a fini cette maison, ça peut être sympa. Ouais, ça va quand même. Ça va, c'est joli. C'est joli. Tiens, mais vous savez quoi? On va poser des guirlandes de Noël. Allez, soyons fous. Ouais. Et ça, par contre, ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est trop énorme. Mais bon, on n'en est pas là. Allez, événement, Noël. On va poser... On va poser des guirlandes de Noël. Comme ça, là. Allez, achat multiple. On va en poser une ici. Une ici. Voilà. Histoire que ça fasse une... Bon, je sais, mon horloge, elle est pas centrée. Hein. Allez, ensuite, on va poser une petite guirlande là. Une petite guirlande ici. Et on va poser des guirlandes lumineuses. Alors. Là. On va en prendre une rouge. Que je vais poser ici. Voilà. Je vais poser une rose. Que je vais mettre au-dessus de la porte d'entrée. Et je vais poser une bleue ici. Allez, voilà. Une petite décoration. Ensuite, j'ai pas vraiment la place du sapin de Noël. C'est dommage. Couronne de l'Avent. Bah, faut pas l'oublier, celle-là. Et on peut les poser sur les portes. Eh ben non, on peut pas. Dommage. Allez, je vais la poser là. Là. Non, là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser ? Oh ! Oh ! Alors ça. Alors ça. Oh là là, alors ça. Je sais pas si vous avez eu la même idée que moi. Voilà. Le cadre. On va le mettre là. Oh là 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 là. Hop. Et bah vous savez quoi, on va faire un mix entre ce bleu et le rouge. Voilà. On va poser une plaque bleue. Là, on va mettre une autre plaque bleue là. Later. C'est pas beau. J'aime pas. Ah, c'est pas beau. Merc. Il faut qu'on trouve un gros truc là à mettre. Alors. Vous savez quoi, on va mettre des étoiles comme ça. Voilà. Ça. Ah, mais c'est des petits. Courts. Mais moi, il me faut des longues. Voilà, comme ça. On va mettre une bleue. On va mettre une rouge. On va les mettre en quinconce. Un en haut, un en bas, un au milieu. Et on va mettre le jaune. Ah, on va mettre un jaune quand même. Tac. Ça fait joli. Et admettons, est-ce que dehors on peut mettre le sapin? Alors. Voilà. Oh, on peut le mettre dehors, trop bien. On va le mettre là. Oh là 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 là, que c'est beau. C'est énorme. Eh, mais du coup, ça veut dire que...
Oh! Vous avez eu la même idée? Ah! Et ça va être énorme, ça. Ça, ça va être beau. Et on va finir par une rouge. Ah, mince! Ouais, je pense qu'on peut encore... Ouais, on peut jouer là-dessus. Voilà. Je parle pas beaucoup, là, parce que je suis bien concentré. Voilà. Et faudrait voir ce que ça donne de nuit. Ça serait joli en pleine nuit. Mais il faudrait qu'on mette plus de choses. Il faudrait qu'on mette... Oh, un bonhomme de neige. Mais il est gros, lui. Ah oui, ah oui, si, quand même, il est gros. On va pas le mettre, on va pas le mettre. Parce que autrement, on aura plus de place. On va mettre. J'ai pas d'idée. Je voulais mettre des trucs comme ça là. Et sur le côté peut-être. Hein, comme ça. Mais on n'a pas l'autre sens, c'est dommage. Bref. Bah voilà! Et c'est pas joli quand même, petite maison comme ça en plein hiver? Bah on va poser un bonhomme de neige quand même. Voilà, on va le mettre là et puis voilà, hein, histoire que ça fasse quelque chose d'un peu plus Noël. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait ma petite maison. Voilà, je suis content. Par contre, le sapin, je vais le tourner un tout petit peu. Voilà, histoire qu'on voit bien l'étoile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça ferait super plaisir. Et mettez un gros pouce bleu. Voilà, ça m'encourage beaucoup à continuer de faire des vidéos pour vous. J'évolue petit à petit, hein, et j'espère faire de grandes choses en 2021, avec pas mal de projets qui vont se créer. Donc restez bien dans le coin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis ciao les amis.